Député de Pétionville, leader du mouvement En Avant, Thierry Tardieu. Rebonjour et bon retour. Bienvenue à la seconde tranche de l'émission. Toujours un plaisir d'être l'invité de Métropole, surtout de l'émission Le Point. On t'a parlé de confiance et méfiance, surtout de méfiance au cours de la fin de la première tranche de l'émission. Mm-hmm. J'allais vous poser cette question. Vous savez, dans certaines sociétés, la confiance, ça se crée aussi. Oui. Et l'union crée la confiance crée l'union et vice-versa. Oui, qu'est-ce que vous faites au sein de cette opposition plurielle que le pays connaît aujourd'hui pour créer d'abord l'union qui, mm-hmm, sous peu, va créer la confiance au sein de la population? Alors, quand nous parlons d'union, mm-hmm, et nous plutôt pensons en union de pensée, son série de bagailles. C'est-à-dire que faut, comme société, nous d'accord, par exemple, valoriser modèle dans la société. Là, faut nous d'accord sur ça. Mais il y a des fois, il y a des projets politiques côté de groupes qui n'ont pas d'accord. C'est-à-dire la désunion ou bien le désaccord n'est pas un problème. Au contraire, peut-être que le mouvement n'a pas bien marché, le mouvement ne fasse pas ou bagaille aux mêmes gens. Et n'a pas vendu chaque monde en philosophie en idée. N'a pas parlé de union autour de principes sacrés. C'est-à-dire le principe sacré, par exemple, il y a des modèles pour nous faire passer dans la société. Et il faut nous d'accord, par exemple, que le pays d'Haïti sont république communautaire. Sur la question sur la question, par exemple, de l'éducation. Faut nous d'accord que la santé et l'éducation, c'est deux secteurs prioritaires, côté que quel que soit leader ou bien parti politique là, que ou gagner en dotation budgétaire qui fait que tout le monde joue la santé avec l'éducation gratis. Donc ça, nous méritons union. Par contre, en nous très très clair, que nous pas obligés en République côté tout le monde a dit même bagaille. Parce que les soirs, on vient de nos républiques bolcheviques, on vient de nos républiques communistes, on vient de nos républiques côté son courant de pensée dominant, côté que ou pas gagner en diversité d'opinion. Selon mon motion, peut-être je suis plus jeune que vous, sensiblement. Pas peut-être, certainement. Dans la mémoire, il y a un parti politique qui était monté sans que n'y pas allié à un président au pouvoir pour lui dire « Ah, aujourd'hui, je félicite le président pour avoir pris telle ou telle décision. » Est-ce que cette culture d'appréciation de l'autre, de la valorisation de l'autre, la politique, pas respectée également? Bon, en politique, moi qui fais appeler en Haïti. Et moi-même, je fais 4 ans dans le Parlement, mais qu'on livre qu'il est dans l'affaire du Parlement. M'apprécier institution comme une entité importante pour construire la démocratie, mais me réaliser que il y a un pile coup bas, un pile hypocrisie. Moi rencontrer des députés extraordinaires sous passage tout. Mais dans l'ensemble, on est capable de dire, passage dans le Parlement, montrer que effectivement, non seulement il y a méfiance et il y a coup bas, pas une capacité de s'élever au-dessus de la mêlée. Donc moi-même, moi d'accord à voir, ça a son constant historique que lié. Mais c'est des bagages pour nous goumer pour nous. Écoute, c'est son société qui a évolué. Et 50e n'a gagné droit lui-même de gagner un bilan. Et mon papa le juge parlement, institution, en fonction peut-être d'un ensemble de députés peut-être qui ne pas comprendre la fonction. Yo. Nous avons dit que pour la prochaine fois, l'électeur a voté plus bien. De telle sorte que 51e, 52e, capable de gagner des éléments qui capable de contribuer un peu plus d'Akabzou à la res publica, à la chose publique. On a eu le même discours pour la 49e législature. On croyait que la 50e allait être mieux. Donc aujourd'hui, on espère pour la 51e législature. C'est-à-dire, on va vivre en espérance, de douleur en douleur, de souvenirs. De toute façon, dans la vie. Malheureux, en souvenirs malheureux. De toute façon, dans la vie, l'espérance et l'espoir est important chez chacun et chacune d'entre nous. Pour qui ça? Parce que même sous rêver en couleur, au moins on va atterrir en noir et blanc. Ou sont journalistes qui font chemin, ou sont des cap haïtiens, ou t'es un objectif. Je veux dire, c'est animateur Le Point. C'est-à-dire quelque part où t'es une vision pour y vont côté dans la vie. Eh bien, c'est ça que je toujours dis, jeune, il faut commencer d'abord par rêver. Et ou pas qu'à rêver son bagage qui est pessimiste. Il faut rêver pour un bagage demain. Et qui j'ai pour un bagage demain, toujours dit jeune, il faut aller à l'école. Il faut apprendre de telle sorte qu'on ne peut pas baisser tête devant le monde, devant l'étranger, devant le monde qui est plus grand basso, pas jamais garder pour les autres, toujours garder le monde dans les yeux. Et c'est ça qui est dans la tête, qui est la bonne capacité pour avancer dans la vie. Donc, moi, je pense que le devoir d'espérance est une exigence chez tous les Haïtiens et les Haïtiens, chez les êtres humains, parce que c'est l'espérance, l'espoir, la positivité, l'optimisme qui permettent à une société d'avancer et à des personnalités d'avancer aussi. Mais pas en train d'accuser X ou Y, on est en train de présenter les faits. Vous savez, Jodia, il y a tout le monde qui a posé leader politique opposition en question ça. Vous avez passé 4 ans, quand j'ai dit vous, l'ensemble peut-être des leaders sociopolitiques du pays,
à combattre le président assassiné Jovenel Moïse, à le traiter de tout nom, à lui donner tout tort, à pour avoir raison, peut-être vous êtes dans un combat politique, à le démystifier. Il est mort, assassiné 7 juillet dernier. Vous n'avez pas eu un projet capable d'influencer la population pour dire voici ce qu'on a prévu autour du mandat de l'homme qui arrivait à sa fin depuis le 7 février 2021, selon l'opposition évidemment. Aujourd'hui, il est mort à tort ou à raison. Voici ce que nous proposons à la nation. C'est le contraire. On se bat encore dans l'opposition plurielle pour trouver des représentants, pour accepter X comme président, bon, Y comme premier ministre, etc. C'est-à-dire, là, je porte, si vous voulez, sur le plateau, la parole d'une très grande frange de la population qui était peut-être d'accord avec vous à un moment de la durée, mais qui aujourd'hui se pose encore des questions, même dans son espérance. Non, c'est un discours facile, permets-moi, sans jugement de valeur. C'est un discours facile, d'abord, soit se dire à pas concerné. Parce que moi-même, moi, j'étais un député de l'opposition qui était mené un combat sur la base des idées. Ou pas, j'ai jamais entendu m'utiliser aucun mot déplacé pour me qualifier président de la République. Non, je comprends bien, il faut me préciser ça. Parce que, il y a un peu de monde qui a entendu nous, son émission populaire. C'est-à-dire qu'on reprend toute intervention que me fait, écrite, publique, dans la télévision, sur les réseaux sociaux, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, ou pas, j'aime un mot déplacé, ce n'est pas un problème personnel que nous avons avec le président pays, c'est un problème sur les gens qui ont dirigé le pays. Ou pas, j'aime entendu me parler de petit, de madame. Et en plus de ça, je me rappelle que je suis un député qui est libre. À chaque fois que le président te prend une initiative qui est correcte, je te soutenir. Des fois, je te connais un problème avec Zami dans l'opposition. Le voulait loi sur l'Ukraine, ou bien loi pour lutter contre le blanchiment des avoirs, ou bien la loi sur le financement du terrorisme. C'est moi-même qui étais à la tête d'une commission spéciale qui pour défendre devant l'Assemblée. Pour qui ça? Parce que proposition, projet de loi, ça, il était allé dans le sens pour aider Haïti. Même parce que son leader politique veut faire preuve d'élégance, mais aussi de fermeté dans son combat. Parce que pas un combat politique sous cette immune pour entrer dans le gendarme. Cependant, gagne élégance, gagne niveau pour ne pas dépasser. Moi-même, pas juger un monde qui choisit faire politique. Donc, certaines façons, moi-même, serviteur, directeur Dieu, m'a toujours parlé le langage de la vérité, m'a toujours été équilibré et m'a souhaité que tant qu'on jeune au cap venir, l'a siégé dans le Parlement. Ou bien que vous prenez la politique, il faut toujours soutenir ou accompagner décision avec action qui pour bénéficier PIA, même si son adversaire politique qui dépose le moi-même, nous sommes grands victimes de ça. Nous connaissons que sous question réforme constitutionnelle là, il y a un combattement du premier au dernier jour. Pour qui ça? Parce que j'étais le porteur de ce dossier. Alors que, qui ça me tape chercher moi-même avec l'autre 8 commissaires? Son façon pour nous battre PIA en constitution. Qui gagne la figure. Vous avez été combattu, mais aussi vous avez combattu la réforme ou bien le référendum constitutionnel proposé par Jovenel Moïse. Je serai toujours du bon côté de l'histoire. À chaque fois qu'il y aura des Haïtiens et des Haïtiennes à s'écarter de la constitution en vigueur ou à prendre des décisions qui peuvent mettre en péril l'équilibre de la nation, de la société et l'avenir d'Haïti, il y a toujours joué une directeur du campé du vent. Même j'ai été joué une grand-père en 1946 comme député sous-estimé. Même j'ai été arrière grand-père. Qui était commandant arrondissement de Jacmel, même Jean-Yves Théoué, en 7 mai, il a fait combat pour briser chaîne d'esclavage à l'indépendance. Même Jean-Yves Théoué, arrière grand-père, sous bon moment, qui était ministre de la guerre sous Michel Aurès, gagnant très caractéristique de famille, ça, comme ce plat-là. C'est-à-dire, nous sommes des patriotes nationalistes. Ça veut dire que nous avons mis courage. Ça veut dire que nous avons toujours campé derrière tout ça. Nous-mêmes, nous avons toujours dit, et permettent de me convaincre. Nous d'accord. Pour qu'on passe maintenant la Constitution. Je suis le premier à le dire. D'ailleurs, il y a un point qui est capable de faire l'objet d'un accord politique. Par contre, nous-mêmes nous disons pas qu'à faire n'importe qui. Il faut faire un processus participatif, inclusif. Pas qu'il faut remonter, pas qu'il piquer devant, pas qu'il faut passer. Tout le monde doit la donner. Mon autre question de tout à l'heure, vous prenez partie là-dedans, mais il y a une autre partie peut-être par pure émotion, ou il y a une autre partie à. Non, pas d'émotion. Au dépend de Black George, ma chère. C'est un journaliste qui dit, mais monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. Et puis il dit, mais vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Son petit parenthèse, vous d'abord, mais vous parlez que c'était par oubli, vous voulez que vous conscient et que vous conscient que c'était un choix de ne pas y répondre. L'autre partie, question, nous parlons de. Vous connaissez, après 50 ans, j'ai perdu la chose. Je comprends, on est là pour faire de petits rappels, c'est notre job. Dis-moi. Et maintenant, nous avons parlé de Ampéoun qui démystifier le président, d'une part, mais nous avons parlé de propositions viables que l'opposition aujourd'hui n'a pas qu'à présenter encore à la nation qui peut-être t'attend quelque chose
de sa part, évidemment. Bon, dans la question qui était posée. Il y a une autre fois encore. Nous en désaccord. Et c'est ce qui fait peut-être la beauté de l'émission. C'est que son espace de son débat contradictoire. Nous pas d'accord parce que protocole d'entente nationale. Le carrefour de la démocratie. Protocole d'entente nationale, là, c'est un dépassement de soi de un pile parti. Et en avant, pas même bagaille, pas même gens avec RDNP, RDNP, pas même gens fusion, pas même gens avec OPL, alors OPL pas signé un protocole d'entente. Ou capable prendre VEO, prendre Moukrena, ou prendre Unité, ou prendre Uniforce, ou prendre MTV, ou prendre un ensemble de partis qui te signent un protocole d'entente. Mais c'est des partis qui prennent bataille dans l'élection, pour le gommer. Mais sont effolés quand même pour avoir un minimum de dénominateur commun qui peut mener nos côtés. Parce qu'il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Maintenant, pas oublier, nous sommes société de combat, nous avons une culture de compromis. Et ça, c'est à l'avenir que nous avons besoin. C'est pour ça que je me toujours dit, les mouvements avant nous au pouvoir, au niveau de l'éducation, il faut changer le curriculum, il faut changer le curriculum scolaire pour que l'on apprentissage des jeunes de ce que c'est que la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec vous, même si je ne suis pas d'accord sur un pile bas là. Mais l'émission finit ma bonne main et puis la fini n'a toujours été amis. C'est comme ça pour lier dans la politique là. C'est comme ça pour lier dans les affaires. C'est comme ça pour lier dans la vie. Les gens qui sont pas d'accord avec vous là, ou pas là pour craser. Donc, culture ça, son culture qui doit pour un petit temps. Donc, c'est depuis dans la salle, l'école, dans la classe, pour deux petits mounes, 5, 6, 7, 8 ans, ou inculquer les principes et les notions de démocratie, ou même faire des petites compétitions entre eux. Ça peut être dû à l'autre la main, ou expliquer que faut respecter la règle de la démocratie, le débat contradictoire est un débat sain. Donc, tout le bagage, ça va faire l'objet d'une série de dispositions, mais pas de secret dans le fait là, pas de génération spontanée, ça va prendre un petit temps avant de arriver là. Vous parlez de la transition. Vous êtes pour. La transition a commencé depuis janvier 2020. Quand le président Jovenel Moïse n'a pas réalisé les élections législatives pour doter le pays du personnel mais politique. Mais celle dont on parle aujourd'hui devrait durer combien de temps? Non, mais fun. Combien de temps? Mais c'est la Cour politique qui va le décider. Parce qu'il y a une évaluation pour le faire. Comment cadre des malogues? Comment on va rétablir la sécurité? Combien d'électeurs qui gagnent? Qui est-ce qu'il y a dans le gouvernement? Qui sa loi électorale là pour gagner la donne? Qui jeune pral qui gère les questions constitution, un ensemble de questions, c'est un dans un accord politique. Et c'est pour ça que nous interpellons le Premier ministre. Nous disons qu'il est devant là. Même pour lui-même, il faut le comprendre que c'est un accord politique là qui pour la route pour le passé. Sinon, Jean-Marie là est là. Il n'est pas mené de aucun côté. Donc, c'est aussi simple que ça, d'où la décision du mouvement en avant, aujourd'hui, de prendre les devants. Et de dire à la société, attention. Mais où pour nous faire, mais où nous penser pour nous faire, pour nous retirer le pays à côté d'IA là. Vous savez qu'il y a des gens qui se portent déjà candidats à la présidence, sera à d'autres postes évidemment, mais à la présidence notamment. Comment est-ce que vous recevez ce message malgré toute contestation qui vient derrière le conseil électoral provisoire là, entre autres? Bon, moi-même, personnellement, nous-mêmes, nous ne pensons pas qu'il y a des conditions pour personne pour être comme candidat. Les mouvements en avant, le ap gen élection, qui pas élection, sélection, les conditions ap réunies, le ap bon accord politique que tout le monde d'accord sur yo. Nous-mêmes, nous allons certainement envoyer des candidats à tous les postes électifs à l'échelle du pays et dans la diaspora. Un petit scénario pour finir. Vous êtes Premier ministre, un exemple. Votre président vient d'être assassiné dans des circonstances douteuses. Quelle serait votre priorité face à cette crise multiple qui gagne le pays? C'est ma dernière question pour finir. Vous êtes Premier ministre, dans la circonstance actuelle, quel serait votre comportement face à cette opposition multiple, à cette crise multiple et à la suite de l'assassinat de votre président? Bon, il y a un Premier ministre qui est en face d'une situation extrêmement difficile, dans Jean-Claude présenté là, d'abord, il a un devoir de faire la lumière. Ah, il faut dire, c'est simple ça. C'est-à-dire que pour un président d'un pays qui mourit dans condition ça, il a un devoir, une nécessité, une exigence de justice. N'était-ce que pour rendre justice aux familles éplorées, au pays, mais aussi pour que ça ne va jamais refaire dans le pays encore. Donc ça, c'est son première exigence. La deuxième, bien entendu, c'est celle de s'assurer que la Constitution, dans son esprit, prévale, mais aussi qu'il y ait un maximum de consensus pour qu'ensemble, nous puissions évaluer l'opportunité d'avancer ensemble, puisque l'événement s'est arrivé dans une situation côté n'était déjà nos 20 ans de crise constitutionnelle puisque toute institution pays était bécaté. Jodia le pas gagné. Les la loi bébé, c'est politique qui parle, c'est société civile qui parle.
pas gen route pas bois son grain route pour nous faire que pour premier ministre que pour décideur que pour acteur yo c'est chita ensemble et un accord politique sur tout point sur du là pour nous retirer pays dans Kachouboumbe et puis pour nous rebâiller l'espoir faut flamme l'espoir commencer revivre commencer briller dans jet tout haïtien y compris jeunesse là l'aime passer tout côté qui ça moi mon bon jeune désœuvré qui perd du espoir nous même nous dit dans mouvement avant nous dit jeune réveillé prend espoir li gen pou le jour donc on qui le la jour c'est le Haïti après des élections après des dirigeants qui viennent mettre l'ordre dans les autres et c'est le ça seulement que me penser que nous capables gagner aspiration pour nous respecter rêves ancêtres c'est-à-dire que son rêve pour nous briser chaîne d'esclavage mais pas pour nous courir ton bon petit cabri non sous tout côté mais simplement pour nous vivre en paix dans un pays qui est nos chers maîtres chers maîtresses. Merci beaucoup, Jerry Tardieu. Nous vous rappelons que vous êtes le leader du mouvement En Avant. Vous avez été avec nous sur le plateau pour échanger, mais aussi partager avec nous votre vision de la crise sociopolitique qui gangrène le pays en faisant une proposition, notamment la proposition d'un accord pour résorber la crise actuelle. Merci beaucoup. C'est moi pour vous, monsieur. Que bon Dieu bénisse avec tous les téléspectateurs.